Philippe Gartner, bonjour. Le risque n'existe-t-il pas, comme pour les contraceptifs, de devoir aller se fournir chez Leclerc ? Écoutez, alors les contraceptifs ne sont pas chez Leclerc. On a une problématique sur les tests de grossesse. Là, je pense que c'est une erreur d'analyse du gouvernement, très clairement. Alors, on n'est pas encore au bout du parcours parlementaire de la loi sur la consommation. À partir du moment où des produits qui figurent dans le monopole, on les assimile aux produits de consommation courante, on oublie de regarder le côté santé. Je vais prendre un exemple sur les tests de grossesse, parce que c'est un excellent cas de figure. Quand une jeune fille qui a eu un rapport non protégé vient dans une officine, le plus souvent le lendemain du rapport, chercher un test de grossesse, souvent on pourra la réorienter, par exemple vers une contraception du lendemain, une prévention des MST, etc. Dans une grande surface, il n'y aura rien. Et elle pensera avoir fait un test négatif. Et bien entendu, elle ne saura peut-être pas, parce qu'elle n'aura pas regardé la notice de façon précise, comme beaucoup de gens le font avec les notices. Et elle pensera ne pas être enceinte et quelques semaines après. Et là, il sera peut-être trop tard pour pouvoir agir et prendre des bonnes décisions. Et ira-t-elle un jour se fournir sur Internet, mais sans pharmacie réelle ? Alors aujourd'hui, sur les médicaments vendus sur Internet, les sites qui sont autorisés en France sont des sites rattachés à des pharmacies physiques. Pour ce qui est de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, nous ne sommes pas opposés du tout à Internet, mais par contre nous sommes opposés à la vente par correspondance. Parce que nous considérons que le contact direct avec le professionnel de santé est un élément essentiel pour le bon accompagnement des patients.